Ergodesk, des conseils pro pour un télétravail au top. Le télétravail est souvent synonyme de station assise pendant toute la journée. Or, pour limiter l'apparition de douleurs musculaires, il faut alterner les positions et rester en mouvement. Il n'y a rien de pire que de rester assis sans bouger pendant des heures. Changez de position le plus souvent possible et pensez à vous lever au moins toutes les heures. Vous disposez chez vous d'un plan de travail en hauteur? Super! Pourquoi ne pas vous y installer de temps en temps pour travailler debout? Lorsque l'usage de la caméra n'est pas requis, par exemple quand vous suivez un cours à distance ou que vous téléphonez, écoutez vos interlocuteurs tout en vous déplaçant dans la pièce. Pour cela, un casque audio sans fil est un excellent investissement. Enfin, octroyez-vous une vraie pause, d'au moins 30 minutes, avec une activité plus intense. Sortir prendre l'air et marcher avec un ami est un excellent moyen de le faire. Vous pouvez aussi soulager vos muscles en faisant quelques exercices depuis votre poste de travail. Suivez les conseils de notre ergo. Voici quelques idées d'exercices que vous pouvez réaliser directement à votre bureau, sans équipement. Le but, c'est vraiment que vous puissiez sortir de votre position statique de travail. Alors, la plupart du temps, notre posture au bureau a tendance à engendrer un enroulement des épaules vers l'avant. Donc, réalisez quelques haussements d'épaules en les amenant vers l'arrière. Pensez à aussi régulièrement vous étirer, vous relâcher, parce que le stress est un facteur qui va influencer également vos douleurs que vous pouvez rencontrer quotidiennement pendant le télétravail. Voilà, on va commencer par étirer un petit peu la nuque en regardant à gauche et puis à droite. Vous pouvez ensuite amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche tout en laissant les épaules bien basses. Pareil du côté droit. Donc avec la souris d'ordinateur ou lorsqu'on écrit beaucoup pendant toute la journée, on peut développer des douleurs au niveau des poignets, donc des tensions articulaires. N'hésitez pas à amener la main vers le haut et puis vers le bas. Pensez bien à faire chaque bras et vous pouvez maintenir la position 5 à 10 secondes. Alors si vous avez des escaliers chez vous, n'hésitez pas à laisser des affaires au rez-de-chaussée ou à l'étage pour vous obliger à emprunter les escaliers plusieurs fois sur votre journée. Ça pourra ainsi faire travailler vos quadriceps. Étant assis toute la journée, vos hanches sont toujours fléchies. Donc n'hésitez pas, quand vous vous déplacez chez vous, pour vous faire un petit café, pour aller jusqu'à votre machine à laver, à réaliser de grands pas pour réaliser une extension au niveau de la hanche. Pensez à bien garder votre dos bien droit. Donc profitez que vous attendez que votre café passe ou lorsque vous êtes en appel téléphonique pour vous mettre sur la pointe des pieds et faire ainsi travailler vos mollets. N'hésitez pas à faire quelques répétitions. Vous pouvez également le faire sur un seul pied si le premier exercice est trop facile pour vous. N'hésitez pas à réaliser ces petits exercices plusieurs fois par jour. Le but, c'est vraiment de prévenir les blessures. Par contre, si un des exercices proposés engendre des douleurs, alors arrêtez-vous tout de suite. Par Ténamut, on vous simplifie la santé.